allez bien? Moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo maquillage. Thierry avait passé commande pour moi pour Noël sur le site Bis Cosmétique, Bis Maquillage. Et il avait pris donc tout un panel de petites palettes et de maquillage donc pour les lèvres, pour les yeux, pour le teint. Y compris cette petite palette là qui est la Rebelle. Et c'est vrai que je vous avais pas fait maquillage avec. Donc du coup je trouvais qu'aujourd'hui c'était l'occasion. J'avais envie de me maquiller. J'avais envie de me maquiller avec vous. Donc je vous la montre d'un peu plus près. Je vais commencer le maquillage de suite. Je vais prendre comme teinte le Flawless. Et voilà le résultat pour les yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Je trouve que pour l'été, franchement, ce maquillage là est super bien. Ce que j'aime avec cette palette, c'est que je trouve qu'elle fait autant hiver que été. Et vous avez autant des couleurs foncées que des couleurs claires. Enfin franchement, je la trouve vraiment complète. Et je trouve que la pigmentation est là quand même. Parce que franchement, le jaune donc qui est le Edgy, est vraiment super bien et hyper pigmenté. J'adore, c'est un jaune moutarde super beau. Donc maintenant, je vais réfléchir à quel rouge à lèvres mettre. Et je reviens dans même pas une seconde pour faire l'application du rouge à lèvres. J'ai décidé de choisir ce rouge à lèvres là, donc qui est le Over the Taupe, qui est un rouge à lèvres toujours de chez Bis Cosmétiques. Je me suis dit, allez, pourquoi pas rester sur Bis Cosmétiques, vu que j'utilise la palette, autant utiliser le rouge à lèvres. Et donc là, c'est un rouge à lèvres mat qui est un peu dans les teintes entre le gris et le taupe. Et voilà, ce maquillage, je dirais 100% Bis Cosmétiques, est terminé. J'ai utilisé la Rebelle de chez Bis Cosmétiques et j'ai utilisé le rouge à lèvres, donc le Over the Taupe, que je trouve très joli. Franchement, il tire un peu vers les gris. En fait, c'est un beige qui tire vers les gris. Il est pâteux, il assèche pas les lèvres, mais en même temps, il est mat. Donc franchement, j'aime beaucoup. Donc ben voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aussi cette palette là et quel est votre avis donc sur cette palette. Moi je sais que franchement je l'adore, je la trouve super bien. Je trouve que le rapport qualité-prix est juste très bon. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à mercredi du coup.
Je vous vois bientôt.